Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette dernière semaine de ce mois de mai déjà, que cela passe vite. Nous sommes lundi 27 mai 2024. Comment allez-vous? Bien j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous allons terminer avec ce magnifique oracle de l'énergie. On terminera par le message de ton âme. Et avant de commencer, eh bien, petite philosophie du matin. En fait, c'est 365 pensées positives, n'est-ce pas, pour être heureux tous les jours. Et pour ce 27 mai, un geste pour l'environnement. On se pique tous d'être sensibilisés aux questions d'environnement et de pollution. Pourtant, que faisons-nous de concret au quotidien pour contribuer à améliorer la situation? Rien ou peu de choses. Alors, plutôt que de nous nourrir de paroles et d'intentions, harmonisons nos gestes et nos pensées. Ne pas laisser trop de lumière allumée dans la maison. Respecter les limitations de vitesse. S'obliger une fois par semaine à ne pas prendre sa voiture. Faire l'effort de trier ses ordures. Ramasser un sac en plastique qui traîne dans la rue. Acheter une lessive écologique ou des aliments issus de la culture biologique. Il y a tant et tant et tant à faire. Tout cela paraît dérisoire, mais l'effort de chacun peut contribuer à améliorer la vie de tous. Vous savez, petite goutte par petite goutte dans l'océan, ça devient un immense océan. Voilà la petite philosophie pour ce 27 mai. Aujourd'hui, j'ai pigé déesse de la lune et je l'ai pigé à l'envers. Et à l'envers, eh bien, cette carte, elle indique une forte intuition qui est bloquée. Une déconnexion intérieure ou le sentiment de vivre dans la noirceur. Pour certains d'entre vous, vous avez un désir profond de connaître votre raison d'être et votre vérité, mais elles vous paraissent floues. Et cette carte, à l'envers, elle signale une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure. Il est possible, n'est-ce pas, qu'une profonde inquiétude et que du mécontentement vous empêche d'atteindre la paix intérieure et la sagesse que vous recherchez. Alors, si c'est le cas pour vous, pour certains d'entre vous, on vous invite à faire un lâcher-prise et renouveler votre foi en vous-même et en votre âme éternelle. Cessez de vous nuire ainsi et libérez-vous de la peur qui empêche votre vraie nature bénie et éternelle de s'exprimer. Vous savez, la lune, elle cache beaucoup de choses. Elle occulte bien des choses. Mais votre âme, votre moi supérieur, il vous connaît et il vous connaît, mais à la perfection, alors accueillez le calme dans votre vie
Écoutez ce que votre propre voix intuitive vous incite à faire et ayez confiance au message que vous recevez. Vous êtes peut-être bloqué encore dans ce passé ou vous occultez ce que vous ne voulez pas voir, ce qui est, parce que c'est trop douloureux. Ça peut être au sujet professionnel, sentimental, etc., n'est-ce pas? Il y a un lâcher-prise à faire parce que vous êtes bloqué. On a l'impression que vous êtes bloqué dans un certain, à une attitude, à ce que vous avez vécu. Et ça vous a tellement impacté ce que vous avez vécu, eh bien, il y a un blocage qui s'est fait. Et comme la carte le dit, il y a une déconnexion intérieure. Et il y a beaucoup de noirceur. Alors, il est conseillé de vraiment que vous fassiez un lâcher-prise et que vous arrêtiez à occulter ce qui ne va pas. Et à la limite, c'est pas faire la politique de l'autruche, n'est-ce pas? Mettre sa tête dans le sable. Il faut faire face à ce qui s'en vient pour essayer d'améliorer ces choses-là. Donc vraiment, il y a quelque chose à débloquer, n'est-ce pas? Et avoir une connexion avec vous-même, avec votre âme, votre moi supérieur. Alors aujourd'hui, l'affirmation est « Je possède une puissante voix intuitive. Je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. » Voilà, fiez-vous à votre petite voix intérieure. Elle a toujours raison, n'est-ce pas? Allez, je termine avec message de ton âme. Et aujourd'hui, écoutez, la synchronicité, lâcher prise, voilà, belle synchronicité. Belle synchronicité. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Eh bien, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas? Avec cette carte déesse de la lune qui cache énormément de choses, n'est-ce pas? Il faut mettre tout ça en lumière. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. À demain.